Salut à tous, c'est Rof, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 pour vous indiquer l'emplacement de tous les coffres liés aux clés opulentes. Et si cette vidéo vous a aidé, un petit like ça fait toujours plaisir, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost vous permet de faire n'importe quelle activité du jeu avec des bons joueurs en un rien de temps, et avec cette nouvelle saison, il va avoir de quoi faire. Vous savez maintenant, grâce à mon code WOLF5, vous avez une petite réduction de 5% sur votre commande. Désormais, pour célébrer la seconde année de lancement de Blazing Boost dans le secteur de Destiny et la sortie de la nouvelle saison, vous avez 20% de réduction avec mon code jusqu'au 31 mai prochain. Donc n'attendez pas, le lien est dans la description. Il y a au total 6 clés opulentes potentielles obtenables en faisant la nouvelle activité de la saison et donc en ouvrant les coffres à la fin. Vous ne pouvez avoir qu'une seule clé à la fois dans votre inventaire, donc dès que vous en avez une, allez directement chercher votre lot. Ces clés permettent d'ouvrir des coffres qui contiennent les armes de la saison, que ce soit les armes de la ménagerie ou bien les armes hantées. Donc si vous voulez les obtenir et ou les farmer pour les crafter par la suite, c'est un bon moyen pour cela. Cependant, il est plus facile de farmer efficacement si l'on sait où l'on doit aller. Il existe 3 emplacements par zone et donc par conséquent, 3 clés par zone. Les 2 zones sont les bassins royaux ou bien les jardins des délices. Voici donc le chemin à suivre pour récupérer les coffres dans les bassins royaux, avec en premier lieu l'emplacement au pied de la grandeur. Puis au milieu d'imposantes colonnes. Et enfin, où l'eau coulait jadis. Nous avons ensuite les coffres dans les jardins des délices. Le premier emplacement se trouve près de la grandeur déchue. Puis gardé par un compagnon loyal. Et enfin, au milieu des ruines. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. Petite vidéo qui va vous aider, je l'espère. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà une arme craftée et laquelle surtout. Sinon, on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 où on stream sur Twitch.tv/France. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.